Ah, une nouvelle semaine de course après avoir débriefé le Grand Prix de Hongrie, qui n'était pas très passionnant. On a aussi fait un point sur le classement. Et donc, en ce lundi, il y a eu cette actu. Wolff, on aurait pu faire un double podium Hongrie. Eh bien, c'est raté, Toto. Villeneuve, la Red Bull RB19 n'est pas une voiture dominatrice. Verstappen fait la différence. Il a aussi ajouté que ça se jouait au millième de seconde. Oui, Jacques, il a fini avec plus de 30 secondes d'avance sur le deuxième, hein, Max, quand même. Hein. Verstappen, les gens oublient un peu vite à quel point c'est dur de gagner 12 fois de suite. Alonso, en perte de confiance concernant Aston Martin après des résultats décevants de l'équipe. Bah, Aston Martin, il va falloir rebondir alors pas à Spa parce qu'ils n'ont pas l'air très confiants non plus, mais après la pause estivale, il va falloir faire quelque chose, les gars. Hein. Ça peut pas durer comme ça éternellement, quoi. Alfa Romeo dévoile sa nouvelle livrée Kick pour Spa-Francorchamps. Ouais, bon, c'est pas terrible. Norris a détruit le trophée de Verstappen en Hongrie qui va devoir repayer le nouveau, apparemment, bon. Ils vont en refaire un, donc ouais, il sera pas sans trophée, Max. Et justement, ce dernier héros d'une pub pour Heineken. Quel acteur. À demain.